L'Université de Nantes est un établissement public d'enseignement supérieur qui est réparti sur 3 villes, Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon, sur 6 campus. L'Université de Nantes a une double mission, d'abord une mission d'enseignement, de formation, et puis une mission de recherche et d'innovation à travers l'activité de ces 44 laboratoires. À l'Université de Nantes, il y a un peu plus de 37 000 étudiants et pour encadrer, enseigner auprès de ces étudiants, il y a plus de 4 000 personnels, d'abord des personnels d'enseignement et de recherche, mais aussi des personnels administratifs, techniques et de bibliothèque. L'Université de Nantes travaille sur un nouveau modèle universitaire à l'horizon 2022 en s'alliant avec d'autres établissements pour offrir des conditions d'études toujours meilleures pour nos étudiants et pour l'épanouissement de nos collaborateurs. Chaque année, l'Université de Nantes recrute plus de 250 talents, qu'il s'agisse de personnel enseignant, de chercheurs ou encore de personnel administratif, technique, de bibliothèque ou alors du social ou de la santé. Il y a deux voies principales pour rejoindre les effectifs de l'Université de Nantes. Soit vous êtes fonctionnaire et vous pouvez venir par mutation ou par détachement. Soit vous n'êtes pas fonctionnaire et à ce moment-là, vous pouvez venir soit comme contractuel, soit en passant des concours. On recrute avant tout des contractuels, mais il y a aussi régulièrement des concours qui sont ouverts, soit à l'université, soit au niveau national. Si vous voulez postuler à l'Université de Nantes, vous pouvez vous rendre soit sur le site de l'université, dans la rubrique « Travailler à l'université », soit sur le site Place de l'Emploi Public, la PEP. Une mobilité professionnelle, c'est toujours une dynamique enrichissante et je dirais que rejoindre en particulier l'Université de Nantes, c'est rejoindre un cadre de travail dynamique et épanouissant.